de l'endurance et de la force spirituelle. Amen. Vous savez, un homme de Dieu a dit ceci. Lorsque vous voulez voir la main du Seigneur agir dans l'église, dans des conférences, amen, dans des rassemblements, on dit que lorsqu'un moment de Dieu fonctionne longtemps, alléluia, alléluia, et si ce moteur-là peut supporter d'autres sollicitations élevées, on va dire de ce moteur-là est endurant. Alléluia. De la même façon, mon frère, ma soeur, j'aimerais que, par la grâce du Seigneur, après ces trois jours, qu'on puisse dire de toi, mon frère, que tu es un homme endurant dans la présence du Seigneur, que tu es un homme endurant face à l'ennemi, qu'on puisse te dire de toi, ma soeur, que tu es une femme endurante face aux épreuves, face aux difficultés, face aux problèmes de ta vie, que tu as de l'endurance, aussi bien que ton moteur peut supporter une charge élevée, peut rester en fonction pendant longtemps. Dieu veut que tu restes en fonction toute ta vie. Est-ce que tu veux dire en fonction? Je dois bien fonctionner dans ma vie. Je dois supporter les charges élevées. Alléluia. Parce que nous avons... La Bible nous dit, résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Sans cette endurance-là, face à l'ennemi, tu ne peux pas faire fuir l'ennemi. Alléluia. Sans la résistance contre le royaume du diable, sans la résistance contre le puissant des ténèbres, l'ennemi ne prendra pas la tangente. L'endurance que nous devons manifester face à l'ennemi n'est pas la même que celle que nous manifestons face à notre Dieu. Est-ce que vous voyez la nuance? L'endurance face aux sorciers, l'endurance face à la magie, l'endurance face à ceux qui te combattent, ça prend la résistance. Est-ce que tu peux dire la résistance? Voilà pourquoi je prie en ce moment que Dieu te donne un cœur qui résiste aux attaques du monde du ténèbre. Je disais que je prie en ce moment que le Saint-Esprit libère une onction particulière afin que tu deviennes une personne qui résiste aux attaques de l'ennemi, car c'est la seule façon par laquelle l'ennemi prendra la tangente. C'est la seule façon par laquelle l'ennemi va fuir au devant de toi. Pas de résistance, pas de victoire face à l'ennemi. Alléluia. Pas de résistance, pas de victoire. Tu veux gagner face à l'ennemi, tu veux remporter la victoire. L'endurance qu'il te faut, c'est la résistance. Alléluia. Jacques l'a dit dans Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et dans 1 Pierre 5, 9. L'apôtre Pierre dit encore, résistez-lui, avec une foi inébranlable. Alléluia. C'est le même verbe qui revient en français, résister. Quand on parle au diable, au type d'endurance que nous devons manifester face à l'ennemi, la Bible parle de la résistance. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent les combats. Non pas parce que Jésus-Christ n'a pas fait ce qu'il fallait à la croix. Non, Jésus a fait tout ce qu'il fallait à la croix pour toi, mon frère. Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour toi, ma soeur, à la croix. Si nous perdons le combat face à l'ennemi, c'est tout simplement parce que la résistance n'y est pas. Alléluia. On n'a pas, on ne résiste pas face aux attaques. On ne résiste pas face aux épreuves. Voilà pourquoi l'ennemi est en train de contrôler la vie de plusieurs. Résiste alléluia. À la maladie, alléluia. Résiste au cancer. Résiste au sida. Résiste au diabète. Résiste à cela. Dans les noms puissants de Jésus, c'est par la résistance que tu vas vaincre la maladie. C'est par la résistance que tu vas vaincre le diable et son royaume. C'est par la résistance que tu vas vaincre la sorcellerie. C'est par la résistance. Notre problème, c'est l'absence de résistance. Alléluia. On n'a plus de chrétiens qui endurent. Dès que le combat commence, l'ennemi n'a pas encore attaqué. On abandonne sa position. Oh, et on fuit. Alléluia. Tu ne peux pas être un grand champion si tu n'as pas livré des batailles. Nous avons dit cela ici. Alléluia. Il faut qu'il y ait des batailles dans ta vie. Des batailles que tu vas remporter. Parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Je disais parce que tu n'es pas seul dans cette bataille. Jésus-Christ est avec toi. Voilà pourquoi c'est possible de résister. C'est possible, mon frère. Même si c'est tout le village. C'est possible. Alléluia.
C'est possible. Alors que je suis en train de parler, ma soeur. Oui, maman, c'est toi qui viens de gratter la main du Seigneur sur toi. Mais tout au long de la prière, lorsque nous étions en train de prier, je vois que des cases. Et à chaque fois que je te regarde, cette image-là me fait qu'il revenait dans ma tête. Et le Seigneur me dit qu'il y a une malédiction qui a été libérée depuis votre village. Et cette malédiction contrôle les femmes de votre lignée. Mais pendant ces 3 jours, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Cette malédiction-là va libérer ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur t'a amené ici. Et ça provient de ton village. Le Seigneur te lance dans la prière. Si tu veux obtenir des résultats de la part du Seigneur. Ça prend de la persévérance dans la prière. Si tu veux voir le Seigneur ouvrir le ciel et descendre au milieu de tes salons et changer ton problème et enlever la rébellion dans la vie des enfants et enlever cet envoûtement sur ton mari, enlever cet envoûtement sur ta femme, ça prend la prière et la prière de persévérance si nous voulons voir la situation changer dans nos vies. Qui dit amen? Matin, midi, soir, Seigneur, change la situation de ma famille. Seigneur, change la situation de mes enfants. Seigneur, change la situation de ma santé. Seigneur, je ne mets plus la malédiction. Seigneur, même si mes ancêtres ont signé un pacte avec le monde du ténèbre, moi, je vais sortir de ce pacte-là. Seigneur, change ma situation. Si tu le répètes jour et nuit, dis Jésus, est-ce que ton père d'amour, c'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui a offert son fils unique. Va-t-il dire non? Si le juge unique a répondu, ton père va faire plus que ça. Je disais, si le juge unique a pu rendre justice à une femme faible, à une veuve, non pas parce qu'il avait pitié de cette veuve, non pas parce qu'elle aimait cette veuve, mais à cause de l'endurance de cette femme, c'est à combien plus forte raison le Seigneur de gloire ne te fera-t-il pas justice si tu persévères, si tu endures dans la présence du Seigneur, tu te lèves le matin. Seigneur, je ne mérite pas que ma famille échoue. Je ne suis pas à Montréal pour échouer. Seigneur, je mérite que cette maladie quitte mes enfants. Seigneur, je mérite que ces esprits libèrent ma famille. À combien plus votre raison, le Seigneur ne répondra-t-il pas? Le problème avec nous, chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous ignorons les principes spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous de recevoir de la part de Dieu. Les problèmes avec nous, nous sommes de la génération micro-ondes. Alléluia. Nous sommes de la génération micro-ondes. Il nous révèle sa méthodologie. Il nous révèle son approche. Il te dit comment lui fonctionne. Avec lui, ça fonctionne comme ça. Il faut prier le jour, il faut prier la nuit. Il faut prier le jour, il faut prier la nuit. Tu pries le jour, tu pries la nuit. Tu pries la nuit, tu pries le jour. C'est comme ça que tu auras la réponse. Tu refuses sa méthodologie, ça ne marchera pas. Change d'église comme tu veux. Change de pasteur. Passe de prophète en prophète. Ça ne changera pas. C'est une question de principe. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Tu dois être endurant dans sa présence. Sans endurance, tu ne peux pas obtenir la bénédiction que tu recherches, ma soeur. Tu ne peux pas obtenir ce mariage, mon frère, stable que tu recherches. Tu ne peux pas obtenir la mort. Je résiste au démon. Je résiste à la malédiction. Je résiste. Je refuse de finir comme un faurien. Dans ma vie, je résiste. Crie avec moi, je résiste. Encore plus fort, je résiste. Je résiste à la malédiction. Je résiste aux démons. Je résiste aux puissances des réclamations des chefs coutumiers. Je résiste aux vendus. Je résiste à l'occultisme. Je résiste à cela. À la sorcellerie de ma famille. À la sorcellerie de ma belle famille. Je résiste à cela. Je résiste à cela. Dans la prière, je résiste. Dans les jeûnes, je résiste. À genoux, je résiste. Sur mon lit, je résiste. Assis, je résiste. Debout, je résiste. Je résiste en chantant. Je résiste en prêchant. Je résiste ce soir. Ce soir, je résiste. Ce soir, je résiste. Je résiste. On se met devant ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais parce que pourquoi il y a certaines personnes pour prier pour eux les mercredis, les vendredis, les dimanches, dans les croisades. C'est de cette façon-là qu'ils vont partir. Vous pensez que nous autres, on est tombés du ciel? Il y avait aussi des esprits qui se manifestaient. Cherche encore les esprits en moi. Tu vas plutôt trouver le Saint-Esprit.
Alléluia. La résistance des parents dans la prière, la résistance de la famille, en dormant par terre pendant 40 jours, a payé mon frère. Là, je parle de ma famille. Alléluia. Alléluia. Pendant ces 3 jours d'impartation spirituelle, Dieu va faire de toi un kamikaze spirituel. De notre rang social, on se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes héritiers d'une race royale, nous sommes héritiers.